Hey, salut tout le monde, c'est Bouscaman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de BioShock, l'épisode 2. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on était arrivé dans cette salle avec cette espèce de lustre. Donc, on est dans l'aile médicale de. Ouais, voilà, médical pavillon. Pavillon. Non, pavillon. Ok, excellent. Hop. Seringue dev, munitions de pistolet. On va fouiller tout ça. Toujours fouiller, hein. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serais la plus belle. Bienvenue à la farandole des prix. Il est vraiment gentil. Il s'intéresse beaucoup à mon cas. Revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. Hop. Bon, on a écouté le petit message. Comme ça, je me tairai dès que j'avais. Un petit message. Hop, fouillez. Bon, lui, il avait rien d'intéressant. Excellent. On ne peut point passer par ici, donc on est obligé de passer par l'espèce de porte. Et je crois qu'on va avoir un truc, voilà, à pirater. Donc c'est parti. Donc ouais, normalement les trucs de piratage sont plutôt assez simples. En fait, il y a juste à prendre cette pièce-là, pardon. Vous la remplacez par ça. Voilà, encore une. Hop. C'est vraiment tout con. Hop, voilà. Merde. Ce fail. Hop. Donc en fait, vous avez un temps imparti. Vous voyez le petit liquide bleu ici, là. Il se déverse tout ça. Et après, j'ai juste appuyé sur triangle pour terminer. Et vous pouvez ouvrir le nombre de cases, hein, que vous voulez. Il n'y a pas de limite, tout simplement. Peut-être que doit y avoir peut-être un trophée. Ok. D'ailleurs, peut-être un trophée pour les faire genre le minimum de cases possible. Merde. Ok, j'ai cette arme là, mais on va prendre le gun. On va recharger tranquillement. Oh, on a pas mal de balles. Bah, donc, du coup, vous avez pu voir. Ok, d'accord, ils sont en train de se tirer dessus. Excellent. Est-ce que la tourelle va tirer? Non. Bon, je vais les laisser s'entretuer. Bah, vous avez vu que pendant le petit message radio, il y en a un autre du coup. D'accord, il n'a pas voulu s'activer. Je sais pas pourquoi. Pour le message radio, j'ai acheté des balles tout simplement. Voilà. Un des docteurs complètement baisé. Hop, voilà. Excellent. Je pense que. Non, ça ne vous électrocute pas. Ok. Je croyais. Hop. Ok, excellent, excellent. On va devoir monter, j'imagine. Oh là, il y avait un truc là. Ouais, c'est pas grave. Vite, mets ton cul. Hop, une petite balle dans la tête et c'est fini, on n'en parle plus. Oh, une Thompson. Ok, excellent. D'accord, ok. Ah, donc du coup maintenant la tourelle, alors je sais pas si elle va rester tout le jeu, je ne sais pas. On va viser un petit coup là. Oh, le mec il va pré-shoot. Oh, il. Vite, mène-toi. Ah putain, ils m'ont mis trop mal. J'ai plus que 20 balles. Et il fait à moitié peur celui-là. Regardez-moi. Ah mec, ils m'ont mis trop mal. Je sais pas si je les ai tous tués. La flèche nous indique encore. Il y en a encore un, je crois que je l'entends. Il y en a au top. Ah d'accord, le mec il a pas pris sa balle. Des mots trop sûr. Donc ouais, toujours pas de balles, hein, excellent. Vous avez tout un
infecté. Pourquoi fermer les issues? Hop, voilà. Des bonnes barres. Il y avait un ennemi ici, là, voilà. Ok, on a ramassé toutes les munitions. Voili, voilou. Donc, je pense que du coup, on doit aller ici. Ouais. On va se heal, j'avais pas pensé. Hop, un petit l'optimisation de charge radio. Pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons. Wow. N'oubliez pas, vous pouvez court-circuiter toutes ces machines si vous les touchez avec votre arme électrique. On pirate, hein, parce que sinon ça va nous faire chier. Oula, je sais pas ce que c'est ce truc par contre. Ouais, on va se manier le cul par contre. Hop. Vite. Vite. Là c'est le moment un peu stressant. Il a l'air de se déverser ultra rapidement par contre. Réellement. Hop. 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 Je sais pas comment on va faire mais bon. Si ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Hop, tranquille, ok. Par contre il m'en faut juste un dernier maintenant. Alors. Ouh, ça va être tendu ça. Ouh, ça va être tendu ça. Non, c'est bon, y'en a un là. Ah, j'ai cru que j'allais pas réussir. Les tourelles, ok. Celle-ci elle est piratée. Sauf qu'il y en a une là-bas. Oh putain, elle m'a fait trop peur elle. Elle m'a fait grave peur. Hein. Wouah. Putain, elle. Sérieux ou quoi? Vas-y, pirate. Allez là! En fait, le truc, c'est que je me. Voilà. Et le truc. Et c'était trop chiant. Sans deck, quoi, le truc. Hop. Ça, ça va être les moments où je vais être concentré, tu sais. On va refaire la même que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va peut-être faire un peu plus de. Excellent, voilà, voilà, excellent. J'en ai un qui monte ou pas? Effectivement, bien non. Hop, putain, tac, et le dernier, on va mettre ça ici, tranquille, pépin. Hop, voilà. En fait, notre tourelle nous fait des dégâts, je crois, bien si on passe devant, très clairement. Wow, 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 wow. Attends, on peut pirater aussi. Allons-y. Ah, je pense que ça va être grave compliqué. Ah, voilà. Tac. Ouais, ouais, ça va être un peu chaud ça. Ça sent le truc chaud là, très clairement. Ok. Hop. Ah ouais, c'est compliqué là quand même. Vite. Ah, ça sent la mort. Ah, si. Hop. 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 Excellent. Ah, il était compliqué celui-là, putain. Du coup, je sais pas trop à quoi ça a servi. Hop. C'est quoi ici? Ouais, non. Ouais, je pense qu'on est bien là. On peut fouiller, poupée. Ouais. Ça. J'ai été porté à mon attention que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Bienvenue à la. Revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. Bienvenue.
Et j'ai plus de thunes non plus. Excellent, excellent. J'ai plus de thunes. Je n'ai plus. Ah, je crois que c'est 25 une cartouche. Bon, bah j'ai 0 thunes. J'ai des balles là-dedans, quoi. Ah, j'en ai 40. Ok. J'aurais pu jouer avec ma clé à molette, mais là, du coup. Ok, c'est bon, j'en ai du coup. On va jouer avec la clé à molette. Hein. Voilà. Excellent. Hop, seringue. Ce heal. Ok. Ok, d'accord, c'est juste une petite pièce comme ça. Très bien. Steinman, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont créer. Et si elles créent, oh, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé et franchement, je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher deux mots. Ok, donc là on a l'espèce de... On a le baiser là, l'espèce de docteur. Bon, du coup on a pas mal de messages radio, on va tous les écouter. Lorsqu'il s'est lassé de plein de monstres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes encore et encore. J'entends ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les messieurs qui les ont réduits en attaque. Wow, on va te faire foutre. Oh là là, c'est grave le bordel là. Excellent. Vite. Ah là, on gaspille masse munitions par contre. Il y avait quoi le médecin sur lui? Il a de la thune. Wow, 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 wow. Ok. Barre-toi. Ah, d'accord. Vous avez récupéré votre premier fortifiant physique. Les fortifiants physiques vous rendent plutôt plus fort, pardon, ou plus puissant. Ils sont équipés séparément des plasmides ou autre type de fortifiant. Excellent. Alors. Putain, ils sont partout. Bon, alors la carte, incompréhensible, je trouve. Quand ils spawnent à l'infini les trucs. Parce que très clairement, s'ils spawnent à l'infini, c'est pas top. Non, c'est... Enfin, je pense que si, en fait. Wow. Bonjour madame. Hop. Petit coup de clé à molette. Ah, salope. J'ai plus de plasmine, je crois. Ok, bah c'est pas grave. On va reprendre une arme. Hein. Ah, encore. Excellent. Ah ouais, les petites vidéos, je crois. Ouais, voilà. Plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y avait une petite vidéo de présentation quand on avait un nouveau pouvoir dans les bulles choc. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, what? Allons-y. Excellent. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une arme au corps à corps. Parce que... Ça va s'arrêter un jour. Est-ce que ça va s'arrêter, s'il vous plaît? Ça, si je passe là, je me fais cramer. Non, c'est bon. Oh putain, ça fait mal. Voilà, c'est calmé. Ah, ça met du temps quand même. On remarque que c'est bien quand on est entouré d'ennemis, ça met du temps et ça les crame sûr à chaque fois.
Mais ok. Non, c'est vrai que j'aimerais bien que l'arme, ça là, ce truc-là, on puisse l'avoir que au corps à corps, genre quand on appuie sur le cut, voilà. Mais bon, c'est dommage parce que du coup, on est à chaque fois obligé de la sortir de son inventaire et du coup, c'est pas réellement pratique parce que si on veut jouer principalement avec une arme, il faut tout le temps switcher quand on a plus de balles. C'est un petit peu relou. Mais bon, c'est pas très grave. On va avancer. Alors, c'est quoi ici? Oh, attendez. J'ai pas fouillé partout. Et on se retrouve au même endroit, d'accord. Toi, on se retrouve au même endroit. Je dois aller où? Vous avez échappé à la caméra. Ah, exit. Ouais, mais exit, c'est. Non, peut-être que c'était juste pour un nouveau pouvoir qu'il fallait aller ici. Non, je pense pas parce que s'il nous propose de redescendre, c'est qu'il faut redescendre. Ah, ouais, bah attendez. J'ai le pouvoir du feu maintenant, donc ça va sûrement me servir à quelque chose. Attendez. Il faut que je suive la flèche. Où est-ce qu'elle nous emmène? Ah, elle nous emmène ici, ok. D'accord. Ok, faut qu'on se barre. Pas faut qu'on se barre. Ok. Heureusement qu'il y a cette flèche là, hein. Non, faut rester au-dessus par contre. Ah, ici. Ok, d'accord. Excellent. Ah, ça fait plaisir de voir un peu l'extérieur. C'est stylé quand même. Moi, je kifferais trop être dans une ville sous-marine. Cité sous-marine. Ça va être le feu quand même. Encore lui là. Putain, il est sérieux. Bon, je trouve que les sorts sont assez chiants à envoyer. Faut appuyer moult fois sur la touche pour l'envoyer. C'est un petit peu relou des fois une game. En fait, c'est marrant, je trouve, ces petits jeux de piratage là. J'aime bien. Bon, j'ai pas trop compris le but de pirater les machines. Ah ouais, ça me fait une réduction, c'est bien ce que je pensais. Mais du coup, j'ai toujours pas assez. C'est excellent. Là, on a une zone de respawn, ok. Je trouve quand même le jeu, enfin, il a une ambiance quand même. Je surkiffe, hein. Je surkiffe ma race. Oh, oh, oh. C'est qui me tire dessus? Ah ouais, et par contre, je suis censé aller comment ici? D'accord. Excellent. Vite à chambre, ok. Je suis censé repartir, d'accord, il faut que je reparte, ok. Bon, on va suivre la flèche, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle me dit qu'il faut que je reparte. Si ça ne s'ouvre pas. Allez-y, cramez! Salope! T'es mec. Hop. Ouais, mais là, du coup, elle m'a bloqué le passage. Donc là, c'est parti pour attendre. Ah, pourquoi il faut que j'en parte? Enfin, je sais que le mec a pété la porte. Mais du coup, il y a quoi à faire derrière? Attendez. D'accord, calme. Ah, ok, excellent. Excellent. Très bien. On se demande pourquoi c'était congelé ici, hein, très clairement. Allez, crame. Oh là, il... C'est ma tourelle qui me tire dessus, c'est quoi? Hop. En fait, il y a plein de médecins complètement tarés, tu sais. Enfin, des chirurgiens. Ok, donc lui, il a mal fini par... Oh, nice! Nice! Ok, très bien. Hop, on va les flamber par contre, très clairement.
Ah maman. Ah maman, passe dans le feu, passe dans le feu, essaye de la contaminer. Hop, excellent, excellent, excellent. Vas-y, reload, reload, tranquille, y a pas de galère. Hop. Ah et en fait il faut mieux faire le sol. Hop voilà. C'est excellent. Et les petits moments de stress, t'es les petits moments glauques. C'est vrai que comparativement à Bioshock Infinite, que j'ai adoré aussi, enfin il y avait beaucoup de gens qui me disaient ça, qui avaient fait Bioshock 1 et tout ça, qui n'avaient pas forcément aimé Bioshock Infinite. Parce que c'est vrai qu'il y a le petit côté un peu glauque en moins. C'est vrai que Bioshock Infinite c'est moins glauque, on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup plus pas enfantin j'ai envie de dire, mais. Le style du jeu est toujours là, mais il y a le petit côté un peu moins barge et un peu moins angoissant que pouvait avoir Bioshock 1. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir des kits un peu moins chers. Hop. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Je pense que de toute manière, ça on peut pas réellement être bloqué à un certain endroit. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que là il y a suffisamment de pièces, ouais voilà, pour aller à cet endroit-là. Voilà. Du coup, on va s'en acheter un. On va l'écouter. Dans les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques sur d'autres prisonniers. Ils m'avaient donné un surnom, Der Wunderkind, le petit génie. Les nazis, ils ne parlent que des yeux bleus et de la forme du front. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un homme est faible et pourquoi un autre robuste. Pourquoi l'un est intelligent et l'autre stupide. Après avoir massacré tant d'innocents, on aurait pu penser que les nazis s'intéressaient à des choses plus utiles. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, hein, le jeu se passe en 1959, enfin dans les années 60. Mais ouais, on est en 1959, précisément, normalement. Oula. Des bruits un petit peu bizarres, genre des tourelles ou je sais pas trop quoi. C'est quand même, enfin putain, c'est tellement scié. En vrai, j'espère réellement qu'il y aura un nouveau Bioshock. Je ne sais pas, mais je l'espère. Je l'espère vraiment. Parce que 2K Games, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est mon studio préféré, réellement. Je sais pas si on peut passer par là. Ils ont fait tellement des jeux que j'aime bien. Test clinique, lot 23, docteur Souchon, client Fontaine Futuristique. Ah oui, c'est vrai qu'on peut améliorer. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer. Avec la voix de... Ah merde, il y avait les touches par contre. On part. Mais peut capturer et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Souchong a une idée pour un nouveau plasmide. Ok, excellent. Ça nous utilise du plasmide ou pas? Non, ça ne l'utilise pas. Ok, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Du coup, on faut repartir. C'est vrai que cette petite flèche, c'est... Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Par contre... où est passé mon truc de feu? Est-ce qu'il y a moyen de voir ses pouvoirs, n'est-ce pas? Non, parce que moi j'aimerais bien retrouver mon truc. Ah ouais, merde! Ça se trouve, je l'ai amélioré, mais sur le truc de feu, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, très clairement. Et du coup, j'ai perdu mon pouvoir de feu. Enfin, je sais pas réellement si c'est ça, mais bon, ça fait yesh. On va voir, mais j'ai l'impression que c'est ça quand même. Hein. Bon, du coup, là j'imagine très clairement qu'on va devoir retourner à l'endroit de tout à l'heure. Vous êtes malade, vous êtes infecté. Ouais, bon, allez, je bute lui là. Ne perdez pas le parasite. Ouais, bon, allez, vas-y, au revoir. Regarde d'être complètement con. Hop,
Ouais, on va prendre le truc électrique. C'est quand même badass, je trouve, avec la main comme ça. J'aime bien. Hop. On entend un bruit chelou quand on est ici. Du coup, je pense qu'on va prendre ça. Ah ouais, 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 vas-y, vas-y, balance la grenade. Vas-y, 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 rebalance. Tranquille, 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 y'a pas de galère. Je pense qu'il faut que je balance pile poil ici. Je pense. Hein. Voilà, exactement. On va lui rebalancer sa grenade parce qu'il commence à me péter méchamment les couilles. Voilà. Ah, c'est ignoble. La femme du Joker, voilà. On a la femme du Joker devant nous là. Ah non, clairement, on a réellement la femme du Joker. Grave bonne, en tout cas, j'aime beaucoup. Alors. Ok. What the hell, dude? Wow, wow, wow. On va la pirater, y'a pas de galère, y'a pas de galère. Hop. Tac. Tac. Par contre, ça me met pas celui que je veux. Hop. Hop. Non, fuck, c'était pas celui-là. C'était ça. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Allez, un dernier là. Voilà. Hop. Ah, et non, les tourelles, en fait, on peut les pirater. Et en fait, elles nous aident juste un certain temps jusqu'à ce qu'elles crèvent, j'imagine. Donc, bon. Attends, j'ai un nouveau pouvoir ou quoi là? Gâteau à la crème, c'est bon. Allez, ton cul. Alors, je crois que les tourelles sont un peu plus compliquées à pirater. Hein. Hop. Hop. Là, je pense que ça nous a bien avancé. Hop. Ouais, les tourelles sont un peu plus compliquées à pirater. Genre très clairement. Faut pas se fail. Excellent. Et voilà. Au calme d'air. C'est hyper. Du coup elle va nous aider s'il y a des ennemis. Il faut aller par là mais j'ai envie d'aller autre part. Est-ce que j'ai de la thune? Oui. Bon, allez, on va payer nos kits de soins. C'est pas des radins non plus. Y'a pas un autre endroit où aller vite fait là pour récupérer certaines choses. Genre là. Voilà. Oh, excellent, pirater un coffre. Je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Je sens que ça va être. Elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Il a l'air d'être ultra hardcore, hein, très clairement. Wow, comme il est hardcore. Je sais pas où faut aller, s'il faut aller en bas là. Ah non, mais attends, t'es sérieux, comment il est trop dur? Mais. Comment là? Attends, est-ce que là? Ok, je pense qu'il fallait faire ça. Voilà, voilà. Ok, on a un petit peu chaté sur ce coup-là, par contre. Attends, l'autre, je pense que c'était à moitié bugué ce que j'ai eu avant là, parce que. Vite, vite, vite. Vite.
Non. Oui. Oh la pute. Et attends, il est trop dur celui-là. Je veux le finir. Encore une fois, c'est... Et mais mec, il est ultra compliqué. Attendez. Je réussis une dernière fois. C'est fail du coup. Ok, bon, c'est fail. Et putain, il est super compliqué. Bon, je resserrerai une prochaine fois là. C'est l'air d'être ultra chaud quand même. Et je pense que l'autre là, celui où j'ai failli réussir, il était à moitié, enfin pas bugué, mais. Genre, tu sentais que je pouvais rien faire en fait. Donc je sais pas. Ouais. En tout cas, il est bien badass. J'ai pas vu qu'il y avait un petit gars. Ok, donc du coup, on va aller à l'objectif. Hein. Qui est. Ah! Parce que il aussi j'ai pas vu. Et j'ai l'impression qu'on... Ouais, j'ai l'impression qu'on peut pas recharger nos pouvoirs quand il en reste encore. Je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais, je sais pas. Vas-y. Excellent. Excellent. C'est le chirurgien fou de Gotham, tu sais, bordel. Il est laid. Il est hideux. Hideux. Ah d'accord, le mec il te sort une mitraillette comme ça de nulle part, tu sais. Hop. Hop. Tu vas prendre cher. Ok, c'est un espèce de mini boss. Ah ouais, en fait il faut charger l'espèce de plasmine et ensuite tu peux tirer. Et toi, attends, on va le finir avec la molette. Pas forcément masse balle. Hop, excellent, excellent, excellent. Bon, on va dire que c'est un espèce de mini boss. Hein. Ouais, voilà. Ouais, en fait c'est un boss. Soit 4-0, et voilà. Le nez est magnifique, Dr. Steinman. Docteur, vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'affaissait si longtemps. Scalpel. Pardon? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons, par où vais-je commencer? Docteur, arrêtez. Docteur, je vous en prie. Allez me chercher le chirurgien en chef. Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite. Il siffle tout comme un abruti. T'es qui te fait bien bader. Oula. Je vais voir quoi, je sens le screamer à moitié. Non, c'est bon. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Petite protégée. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Donc, du coup, je dois pas la tuer. Hein. Ok. Ok, 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 excellent. Bah, du coup, je dois pas la tuer. Fouille un petit peu et du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas ce qu'il y aura derrière.
d'accord, excellent. Merci, monsieur. Et par contre, les yeux qu'elle a, gros. La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Il a fait quoi, lui ? Ah, d'accord, excellent, elle va dans une poubelle ou je sais pas quoi. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'argent possible. C'est une question de survie. Ok. D'accord, ok, j'ai sauvé la petite fille. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, rage. Alors. Ok, donc là, j'ai amélioré ma barre de mana, enfin de Eve. Ok, 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 pas mal, pas mal, pas mal. Et bah du coup, on va se laisser là. Bon, on aura fait pas mal de choses, enfin on aura bien avancé en tout cas. Et puis voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le commentaire, j'avais oublié ce monsieur là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss.